l'élection est terminée. Nous sommes certes heureux, mais désormais il faut se concentrer sur les projets de développement de l'unité de notre pays. Et je crois que l'ensemble des Guinéens iront dans ce sens pour soutenir le président élu. Monsieur le directeur, après avoir fini la CENI a donné les résultats, la Guinée est tombée dans une détresse de violence. Comment est-ce que vous avez vécu cet an? Avec beaucoup de douleur. Chaque Guinéen, nous sommes une famille. Chacun ne peut se départir de l'unité. Et c'est pour cette raison que nous disons que ces moments de malheur là qui sont passés, on ne peut pas qu'on les revive. Dans le respect de la minorité qui n'est pas votée, la majorité et la minorité doivent s'unir pour que notre pays aille de l'avant. La vie, ce n'est pas des élections tous les jours. L'élection est une étape. Il y a encore plusieurs élections. Il est temps que nous nous concentrions sur l'unité de la nation et sur les projets de développement pour le bonheur, du mieux-être et de